Yo les potes, c'est NSQ, nouvelle boutique du 13 février. Donc le petit chrono, n'oubliez pas le code créateur NSQ dans la boutique. Attention, Bon, clairement, je l'aime pas du tout, mais c'est pas grave. Le petit skin Églantin. Ok, ça commence déjà à bugger. Le petit skin Églantin au prix de 1200 V-Bucks. Le petit retour du Poiscaï de guerre, ok. Le petit sac à dos, voilà, qui était sur le planeur du Poiscaï normal. Il est en version sans peinture et avec son casque, ok. Le petit camouflage à bulles, ok, sympa, au prix de 500 V-Bucks. Ensuite, la petite tenue Ravage qui revient au prix de 2000 V-Bucks avec la traînée en supplément, même s'il y a la même dans le pass de combat, pratiquement. Le petit outil de collecte Bec de Fer au prix de 800 V-Bucks. Le planeur Mauvais Augure au prix de 800 V-Bucks. Et le skin Corbeau que tout le monde possède au prix de 2000 V-Bucks. Le petit skin Pisteuse au prix de 1200 V-Bucks. Chauffard au prix de 800 qui ressort tout le temps, H24. Rose Rouge au prix de 500 V-Bucks. Ok, je crois qu'il n'était pas sorti depuis Halloween. Rebond Lunaire au prix de 500 V-Bucks. Dommage qu'il n'y ait pas une petite musique avec. Ensuite, Breakdance au prix de 800 V-Bucks. Et hop, la petite toupie. Ensuite, le nouvel outil de collecte Cœur Lourd au prix de 800 V-Bucks. Ok. Le pack Harley Quinn que j'ai au prix de 500 parce que j'ai déjà le skin. Tout à l'unité. Hop. Le petit pack des masques de métal. Hop. Tout à l'unité. Ensuite, Roncière. Fléau des cœurs qui est magnifique. Si vous voulez l'acheter, pensez au code créateur NSQ. Le X, pareil, qui est stylé. La petite pioche Chocolama au prix de 500. Crève-cœur au prix de 1200 V-Bucks. Et un nouvel outil de collecte, ou un ancien, mais il n'était pas là hier. Lotus étoilé au prix de 500 V-Bucks. Du coup, c'est tout pour cette boutique. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et pensez au code créateur NSQ dans la boutique si vous voulez acheter tous les skins magnifiques qui sont là. Sur ce, allez, ciao. Et juste pour préciser, à ce qui paraît, il y avait la version fille de ce skin en concept, mais du coup, elle n'est pas sortie aujourd'hui, donc je pense qu'elle ne sortira pas. Allez, ciao!